Bon les gars, clairement on vous prend pour des neuneux et ça commence à me casser les roubignoles parce qu'on vous dit des choses et puis après on vous dit autre chose et on vous dit pas que c'est légal, illégal, comment on fait, comment est-ce qu'on vole du contenu pour finalement le diffuser sans se faire ban etc. En fait on vous raconte n'importe quoi de chez n'importe quoi, que ça soit pour ce petit gars, ce petit gars, ce petit gars, ce... enfin bref je fais tourner le truc. En fait, c'est n'importe quoi ces formations euh, OnlyFan euh, agence euh, intelligence artificielle à l'aide à l'aide à l'aide. Je vais tout vous dire là maintenant, bien entendu, juste pour être clair, j'ai rien à perdre. Moi, je vous dis tout gratuitement là maintenant et d'ailleurs, ceux qui disent oui, mais toi de ton côté, tu as un petit Discord à 2 euros disponible en plus en promotion d'habitude il la 30. Je vous précise une chose, c'est ma deuxième chaîne YouTube. J'ai une première chaîne YouTube de plus de 70 000 abonnés sur la crypto-monnaie. Elle me rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent par mois, j'en ai rien à caler. Ici, c'est vraiment juste pour dire, venez sur le Discord, vous mettez un petit tips sur, euh, dans le chapeau, pour pouvoir, eh bien, juste soutenir le, la modération que j'en fais euh, et ce que je dis dessus de manière honnête. Mais autrement, ça va pas plus loin, d'accord euh, Il faut le comprendre. Donc là, moi, j'ai rien à perdre. Juste une chose est sûre, c'est que ces personnes-là eh ben, ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire qu'elles vous racontent un truc et puis juste après, elles vous disent ben, en fait, on fait attention à ça et ça. Première chose à comprendre, c'est quoi une agence OnlyFans C'est, et ça, c'est du classique, c'est avec des vrais modèles. C'est-à-dire que vous allez chercher et démarcher des vraies personnes, des vrais gonzesses, et vous leur demandez, avec un agenda, du contenu toutes les semaines. Vous allez ensuite les diffuser sur les différents réseaux. Vous allez vous occuper du chatting et des choses comme ça. Ça, c'est une agence classique par rapport également, ben, du coup, à ces vrais modèles. Quelle est la différence avec une agence OnlyFans intelligence artificielle C'est qu'on a entre guillemets, plus du tout besoin de modèles. Je vais vous expliquer pourquoi je dis guillemets également. Et que eh bien, vous allez essayer de diffuser du coup bah, votre intelligence artificielle, hein, votre modèle artificiel vis-à-vis -vis de ces réseaux-là. Première petite précision OnlyFans n'accepte pas les intelligences artificielles donc précision qui est légèrement dissimulée ici c'est que c'est illégal point barre On va pas plus loin c'est illégal dans les conditions d'utilisation OnlyFans c'est non ni que dalle ce qu'on va vous dire ici au début c'est non c'est pas illégal et ensuite on va vous dire mais attention pour ne pas se faire ban et passer sous les radars eh bien on fait des petits comptes pour que on régénère pas trop d'argent et qu'on puisse passer comme ça en soum-soum. si il faut passer sous les radars, passer en soum-soum zoom et faire attention, c'est que c'est pas légal. C'est tout. On vous le dit. Alors, du coup, c'est quoi l'alternative légale hein On y va tout de suite. Je vous dis la vérité. Et encore légal, c'est juste pour être sûr de ne pas être ban et d'être, entre guillemets, transparent euh, avec vous-même, hein, honnêteté avec vous-même, et juste dire bah, là, je ne vais pas passer sous les radars. Je ne vais pas faire gaffe. On va sur un réseau qui est, bien sûr, protégé. Je vais vous le donner en mille. Telegram, vous allez sur Telegram, vous créez un compte pour votre influenceuse artificielle ou vos différentes, euh, différentes pardon, influenceuses artificielles, vous allez sur le site qui est par exemple celui-ci qui s'appelle euh, Sublaunch, d'accord Ici on a également Sublaunch, ici vous allez voir la vidéo qui se nomme comment lancer un Telegram payant, hein, vous faites payer bien sûr l'accessibilité à ce Telegram et sur ce Telegram comme ce réseau est scripté et que du coup bah, en fait on ne peut rien faire, hein, euh, c'est-à-dire que la modération sur Telegram elle est nulle de chez nulle, il n'y en a pas quasiment ah ben, vous mettez vos deepfakes sur du contenu volé, parce qu'il faut utiliser les termes. Quand vous allez choper, eh bien, des jolies vidéos de mademoiselle, mettons n'importe quelle mademoiselle ici en avant, d'accord Vous allez prendre. Qu'est-ce qu'il me fait avec son, 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 chat... son, son avion là Que vous allez choper cette mademoiselle là, que vous faites un deepfake sur elle, et ensuite vous le mettez sur. Je sais pas, moi, OnlyFans, que vous mettiez sur FanView ou quoi que ce soit, c'est du vol de contenu sur lequel vous avez fait juste un deepfake et du coup, FanView, Meme, OnlyFans vont le capter et vont vous bannir. C'est-à-dire que si vous avez généré un peu d'argent et que vous n'avez pas eu le temps de le retirer, eh ah ben, cet argent, il va être bloqué et il va être jamais retiré pour vous. Euh, et il faut savoir que, bah, finalement, vous avez. Franchement, moins d'un pour cent de chances de réussir à passer entre les filets. C'est la, la vérité des choses, c'est comme ça et c'est la vie. D'accord Donc, ça, première chose. Donc, on va sur Telegram si on sait qu'on vole du contenu, qu'on fait du deepfake et on l'assume. D'accord Et c'est pas plus compliqué. pour aller voir Sublunch, d'accord C'est quelque chose, je ne travaille pas avec eux, je m'en fous complètement, euh, J'ai pas de lien d'affiliation, que dalle. Vous tapez Sublunch Google, vous allez chercher, vous regardez comment ça marche, les propositions qu'ils font et ils vont vous rendre bah, la chose du coup euh, monétisable première chose, d'accord Seconde chose, on va aussi vous dire dans toutes ces fameuses vidéos ici que on peut également faire de OnlyFans hybride. Alors, c'est quoi du OnlyFans hybride Vous allez demander à une pote, vous allez demander à quelqu'un que vous avez démarché, à une gonzesse, d'accord, de juste avoir son visage. Et pourquoi en fait Vous devez avoir le visage de cette gonzesse là. Pourquoi Pour pouvoir passer la validation de de ce fameux site qui est OnlyFans. Parce qu'OnlyFans n'accepte pas les intelligences artificielles. Parce qu'OnlyFans, s'il sait que vous faites de l'intelligence artificielle, il va, il va juste vous dire ben Non, mon gamin, euh, tu n'es pas Chloé qui a 25 ans, tu es Patrick avec ta petite barbe et ta calvitie euh, et 47 ans. Non, ça passe pas, mon gamin. Nous, on veut la vraie, d'accord Chloé 25 ans, qui se montre réellement, qui fait des vraies photos de elle. Si tu n'es pas cette personne, on ne veut pas de toi. Donc, ici, comment est-ce que ces personnes, hein, je ne sais pas moi, Upreux, je ne sais pas quoi, euh, Hugo, je sais pas quoi, ça, c'est qui, Baron, je ne sais pas quoi, Quoi, toutes ces personnes-là vont vous dire mais du coup pour passer en fait ces sécurités-là vous approchez une pote ou n'importe quel modèle d'accord vous lui donnez un petit billet vous dites bah écoute j'ai juste besoin de toi pour valider en fait le compte de vérification parce que passer la l'étape la, la, de vérification et de validation du compte avec que de l'IA c'est impossible les amis c'est encore une fois euh, c'est encore une fois un, un, un petit poisson qui passe entre les, les mailles du, 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 du filet et la chance, d'accord. Mais en gros, c'est impossible. Donc, ce qu'ils vont faire C'est prendre le visage d'une vraie personne, dire ben bah, voilà, euh, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle, euh, je sais pas moi, Julie, d'accord Julie, s'il te plaît, valide le compte OnlyFans. Julie, elle fait ses petites photos, etc. Elle se prend qu'elle est jolie parce qu'après, il faudra reprendre ça, comment dire, son visage. Euh, mais donc, elle valide le truc et peut lui, ben bah, voilà, c'est fait. Euh, let's go. Ben bah, maintenant, t'as validé ton truc. Euh, vous gardez son visage, d'accord Parce qu'encore une fois, OnlyFans a eh bien des modérateurs et surtout également des intelligences artificielles qui vont faire la sécurité et vérifier que les vidéos que vous postez correspondent bien sûr eh bien, euh, au, au modèle qui est mis sur la photo de profil et qui a été également validant pour le compte. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces fameuses personnes, hein, toutes celles-là, tout ça, tout ça, elles vont vous dire que ah bah vous allez choper euh, tout simplement euh, du contenu à l'infini. Vous allez sur ici, bah, euh, par exemple, elle, elle a du contenu, euh, elle a des milliers de fois je sais pas combien de vidéos, c'est abusé. Vous allez là-dessus, vous prenez le visage de Julie et ça y est, vous avez du contenu. Infini, c'est du vol de contenu avec elle, d'accord. Et peu n'importe euh, le modèle que vous allez prendre sur Instagram, TikTok ou quoi que ce soit, vous volez son contenu, vous mettez la, 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 le visage de Julie, et donc le jour où euh, OnlyFans, les autres sites, FanView, Mime, etc., vous capte, il vous banne la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait On revient à la même chose, on va sur Telegram, on crée son compte, euh, son, son petit euh, truc Telegram, son canal Telegram, on passe par des sites des sites pardon qui permettent de faire du pay-per-view ou également de l'accessibilité au canal. Limité dans le temps avec des frais à payer ou des abonnements à payer pour diminuer petit à petit les frais. Et, et puis c'est tout, d'accord Et là, vous n'aurez pas de ban possible. C'est tout. Mais il faut jouer et être franco et franc jeu. Alors ensuite, ils vont vous vendre des trucs, des machins, encore une fois, la folie. Euh, alors que, bah, euh, en fait, c'est que de. Franchement, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment en fait du contenu un peu van vent, vent Et euh, tout est encore une fois disponible, entre guillemets, gratuitement. Parce que c'est vrai, c'est 2 euros pour accéder aussi au, au Discord. Mais tout est ici. Donc, euh, FM Agence OnlyFans, c'est dans cet onglet-là. Pour faire du nu sur Facebook Fusion ou Group, c'est ici. Parce que si vous allez par exemple sur Facebook Fusion ou Group et que vous voulez faire du nu, donc vous prenez une vidéo par exemple un peu POR, on continue le mot et NO on termine, bah vous allez voir que c'est flouté, etc. Je vous donne toutes les solutions ici. D'accord Tout, tout, tout. Les 2 euros, c'est juste pour le tips. Pour dire allez, je te mets un petit truc dans le chapeau parce que c'est vrai que tenir la di le Discord, faire de la modération, c'est peut-être un peu long, etc. Et bref, ça me prend un peu de temps. Donc merci à ceux qui mettent le, le, la pièce dans le chapeau. Mais bordel quoi, on vous prend pour des, euh, des neuneus, d'accord Donc ici c'est pas compliqué, on a un forum aussi, on est plus de membres, on a 1000 de membres dessus, vous avez des questions, vous venez sur le forum, vous allez poser le truc. Donc ici si vous avez des questions sur Telegram, Telegram, vous tapez là, vous attendez la recherche, canal Telegram payant et droit d'auteur, vous cliquez ici et plein de gens en ont déjà parlé. Hein, ou chercher les vidéos avec du nu, euh, etc. etc. Comment diffuser ça, comment faire du pay-per-view, tout le monde a déjà abordé le sujet. Voilà, pas compliqué. Vous avez un chat débutant, un chat avancé. Vous avez des boosts pour Instagram, collaboration entre vous. Vous avez en fait la plus grosse niche ici d'intelligence artificielle, OFM, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord Et donc, bon, bah voilà. Euh, vous êtes ou des neneux si vous le voulez et vous payez les formations chez les autres, mais ils vous prennent pour des neneux, c'est fou. Soit, au contraire, on joue franc jeu, on dit de façon tout gratos. Là, maintenant, en vidéo aussi, hein, je il y a rien à vendre de plus. Hein, je vous ai tout dit. Tout dit ici. Vous, vous venez, si vous voulez, sur le, le Discord, mais ça ne sert à rien. Je viens de tout vous dire. Pas compliqué. D'accord euh, Et puis voilà. D'accord Bon, désolé, ça m'a cassé la tête. C'est pas possible. Je vous fais des bisous. On se retrouve sur le Discord si vous voulez ou si vous voulez pas. Cette vidéo-ci va être réenregistrée, réenregistrée comme un robot. Vous allez voir, je vais repartir là-dessus euh, non-stop. Pourquoi bah Parce qu'une vidéo, une fois que tu l'as postée, elle va faire ses vues pendant 2-3 jours et puis elle va partir en down et elle va diminuer ses vues. Et donc, moi, je vais y aller, Masta. D'accord Donc, en fait, je veux que personne tombe dans le panneau. Et qu'il se fasse voler sa thune, d'accord Dans des formations à 500, 1050 euros même, on s'en fout. Arrêtez de faire les idiots, d'accord Allez, sur ce, des bisous, et on se retrouve à la prochaine. Tchuss.